C'est la nuit qu'on est venu chercher papa. Je ne l'ai pas entendu alors qu'il se préparait à partir. Le matin, j'ai vu que maman pleurait. Papa est à Tchernobyl. On l'attendait comme quelqu'un qui est parti pour la guerre. Quand il est revenu et qu'il a repris son travail à l'usine, il n'a rien raconté. À l'école, je me vantais en disant que mon papa était allé à Tchernobyl, qu'il était un liquidateur et que les liquidateurs sont ceux qui ont aidé à liquider les conséquences de la catastrophe. Des héros. Les autres garçons m'enviaient. Un an plus tard, mon papa est tombé malade. Nous nous promenions dans le jardin de l'hôpital après sa deuxième opération et là, pour la première fois, il m'a parlé de Tchernobyl. Il travaillait à proximité du réacteur. Tout semblait calme et paisible. Mais en même temps, quelque chose n'allait pas. Les vergers étaient en fleurs, mais pour qui? Les habitants avaient été évacués des villages. Mon père et ses collègues ont traversé la ville de Pripyat. Du linge séchait sur les balcons décorés de pots de fleurs. Près d'un buisson, le vélo d'un facteur était attaché. Un sac rempli de journaux et de lettres sur le porte-bagages. Et sur ce sac, un nid d'oiseaux, comme au cinéma. Il nettoyait, il retirait la couche supérieure de la terre contaminée par le césium et le strontium. Il lavait les toits, mais le lendemain, les dosimètres craquaient de nouveau. Le jour du départ, on nous a serré la main et remis à chacun un certificat de reconnaissance pour notre abnégation. Mon père déversait sur moi tous ses souvenirs. La dernière fois que je l'ai vu, avant de retourner à l'hôpital, il m'a dit « Si je demeure en vie, plus de physique ni de chimie. » Je vais quitter l'usine, je vais me faire berger. Maman et moi sommes restés seuls. Je ne ferai pas l'institut technique, comme le rêve ma mère, celui où papa fait ses études. La nuit, je vole. Je vole dans une lumière forte. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas non plus l'au-delà. C'est l'un et l'autre. Et encore une troisième chose. Dans mon rêve, je sais que je peux pénétrer à l'intérieur de ce monde, y passer un moment, ou y rester. Ma langue se paralyse. Je m'essouffle, mais là-bas, je n'ai pas besoin de parler à qui que ce soit. Quelque chose de semblable m'arrivait dans mon enfance. J'étouffe du désir de m'unir aux autres, mais je ne vois personne, rien que la lumière. J'ai la sensation que je peux la toucher, que je suis énorme. Je suis avec tout le monde. Je suis déjà de côté, séparé des autres, seul. Dans mon enfance, j'ai vu dans les rêves des images colorées, de la même manière que maintenant, dans ce rêve. Il m'est revenu à plusieurs reprises. Il arrive des moments où je ne peux penser à rien d'autre. Une fenêtre va s'ouvrir. Un coup de vent inattendu. Qu'est-ce que c'est? D'où vient-il? Où souffle-t-il? Entre quelqu'un et moi, un lien s'établit, un contact. Mais comme ces murs gris de l'hôpital me dérangent, comme je suis encore faible, couvre la lumière par un effort mental, parce qu'elle m'empêche de voir. Je me tends vers le haut, vers le haut. J'essaye de voir. Je commence à regarder plus haut. Maman est venue. Hier, elle a accroché une icône dans ma chambre d'hôpital. Elle chuchote dans le coin, devant l'icône, se met à genoux. Tout le monde se tait. Le professeur, les médecins, les infirmières. Ils pensent que je ne devine pas, que je ne sais pas, que je vais bientôt mourir. Ils ne savent pas que la nuit, j'apprends à voler. Qui a dit qu'il était facile de voler? Jadis, j'écrivais des poèmes. À 11 ans, je suis tombé amoureux d'une fille. À 14, j'ai découvert l'existence de la mort.
car si Alorca avait une expression, la sombre racine du cri. J'ai entrepris d'apprendre à voler. Je n'aime pas ce jeu, mais que faire? J'avais un ami, il s'appelait Andrei. On l'a opéré deux fois avant de le renvoyer à la maison. Il devait subir une nouvelle intervention dans 6 mois. Il s'est pendu avec sa ceinture. Dans une classe vide, pendant que tous ses camarades participaient au cours d'éducation physique, les médecins lui avaient interdit de courir, de sauter. Yulia, Katia, Vadim, Oksana, Oleg. Maintenant, c'est Andrei. Nous mourrons et deviendrons la science, disait Andrei. Nous mourrons et on nous oubliera, pensait Katia. Nous mourrons, pleurait Yulia. Pour moi, le ciel, maintenant, est vivant. Quand je le regarde, ils sont là.